Paul. Photo année d'intérêt ici en maintenant. Ah bah ça avance très bien. Aujourd'hui, je fais de la langue. Espagnol, anglais. D'accord. Ouais. La première épreuve officielle du bac n'est que dans 2 semaines, mais Paul est déjà convoqué pour son oral de langue mercredi 5 juin. Aujourd'hui au programme, c'est donc dernière relecture et peaufinage de son accent. Empezado por las películas extranjeras en las que se cortaban las escenas donde los escores se desbanan. Pas de session bibliothèque ni de rendez-vous de groupe, Paul préfère travailler seul. Avec ou sans musique, mais toujours devant son bureau face à ses notes, il se concentre, du moins il essaye. Son principal défi, c'est de maintenir son attention. C'est pas forcément super de travailler chez soi parce que bon, j'ai un ordinateur, donc il y a beaucoup de choses qui empêchent un peu de bien travailler. Mais sinon, j'arrive à peu près à m'organiser. Ce jeune garçon semble plutôt serein. Toute l'année, il s'est imposé un rythme de travail, une cadence qui s'accélère depuis quelques semaines. 2 heures de révision avant le dîner, 2 heures après. Je pense qu'on en fait un peu tout un monde de ce bac, alors qu'en soi, il suffit de relativement bien travailler toute l'année et on réussit assez bien, je pense. Mais le secret de Paul, c'est de s'octroyer de vrais moments de détente, pause télé et surtout bon goûter, un esprit sain dans un corps sain, tout ce qu'il faut pour être en forme le fameux jour J.